Bonjour à tous. Alors, c'est ma deuxième vidéo qui est là ce matin. J'avais déjà lancé, mais j'ai reçu un coup de fil. Donc, ça fait que j'ai coupé. Voilà. Donc, je reviens ici pour reprendre la vidéo. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que il y a un moment, ça fait un an aujourd'hui, que je parlais de réconciliation entre Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent. J'ai des amis, bon, on peut dire ça comme ça. Moi, en tout cas, quand je prends quelqu'un pour ami, il y a des choses là, je ne vais pas le faire. Voilà, même si j'apprends des choses, je l'appelle, ah Joe, j'ai appris ça là. Est-ce que c'est vrai? Alors, l'an passé, les gens sont sortis, les militants du GPS, les vidéomans, et même ceux qui ne font pas vidéo, ils étaient tous cachés, en train de pousser des gens à m'insulter. A dit, ouais, Amiral Blindé a trahi Guillaume Soro. Amiral Blindé est parti au RHDP. Dosso 1515 même, lui-même, il a fait vidéo, il a dit que moi, j'ai été acheté à 56 000 euros. Mais lui, quand il allait chercher les 56 000 euros, ils l'ont remis 2 000 euros pour lui-même. Et j'ai des amis qui disaient partout, bon, mes amis de lutte, voilà, qui disaient partout, oui, Amiral Blindé, il a été, ils ont dit plein de choses, jusqu'à aller dire même que moi j'ai déjà insulté la maman de la femme de Guillaume Soro, que moi je les disais, oui, Guillaume Soro m'appelle, Guillaume Soro s'est rentré ici, voilà, tu te prends pour qui? J'ai vous dit quelque chose. Dans toutes choses là, c'est quelqu'un qui commence et puis lui son nom la reste. C'est comme le prophète Mohammed, on ne peut pas parler de l'islam aujourd'hui sans parler du prophète Mahomet. Parce que c'est à son temps-là que l'islam est venu. Donc moi, là, dans l'affaire de Soro, là, vous allez monter et puis descendre. Affaire de Soro, là, on ne peut pas enlever moi mon nom dedans. Bye Godo, salut. Je parle de ça, c'est pas parce que j'ai mal, hein, mais c'est pour dire à ces imbéciles-là, eux, ils ont fait pour eux. Mais chaque anniversaire que Facebook va m'envoyer leurs vidéos ou bien mes publications comme quoi je parlais de la réconciliation entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro là, j'ai sorti hier fait vidéo. Moi j'ai été éduqué par un père digne. Si vous là, si votre papa là n'a pas été digne, moi, mon père, c'est un homme digne. Il a croisé Alassane Ouattara. Et puis, il a croisé beaucoup de personnalités de ce pays-là. Mais jamais il a gratté la tête pour pouvoir avoir quelque chose avec eux. Est-ce que vous comprenez? Vous avez fait pour vous. Vous êtes sorti, mais vous avez été incapable de montrer une preuve pour dire, c'est vrai, Blindé est parti. Blindé est parti. Voici les preuves. Parce que je parlais de réconciliation entre Soro et Alassane Ouattara. Eh, affaire de Soro là, c'est moi qui ai commencé. Je ne suis pas le père de Soro, mais personne ne peut m'enlever ce titre. Omrotei. Et puis au moment où j'ai commencé là, je n'ai pas regardé quelqu'un pour faire vidéo. Hein. Au moment où moi je commençais là, j'étais au RHDP. Donc c'était plus dur. C'est-à-dire le plus dur là, moi je l'ai déjà fait. Et c'est moi qui ai désigné Guillaume Soro candidat en 2020. Moi, Amiral Blindé, c'est moi qui ai fait ça. Ils m'ont insulté. Au RHDP là, ils m'ont insulté tout le monde. Ah, t'es un maudit. Mais aujourd'hui là, nous sommes des milliers. Nous sommes des millions aujourd'hui. Dieu merci. Babou Touré, comment tu vas mon frère? Merci pour tout. Vous voyez? Donc les gens, ils se sont achalés jusqu'à aller dire que moi j'ai insulté la maman de la femme de Soro.
Écoutez bien, parce que je vais revenir sur tout aujourd'hui encore. Il y a un moment, il y a un imbécile qui est sorti pour insulter les nordistes, qui a traité les nordistes de saleté, nanani, nanani. Moi, je suis sorti, j'ai insulté tous ceux qui ne sont pas du nord, là. Je les ai tous insultés. Parce que moi, je ne joue pas avec ma région. Moi, là, je ne joue pas avec ma région. Je ne joue pas avec la Côte d'Ivoire. Alors, en Côte d'Ivoire, si quelqu'un se lève d'une autre région pour insulter ma région, là, non. Là, on ne me reconnaît même pas. Je sors en tassement même. Donc, la personne a pris ça pour faire vidéo avec. Que voici, ouais, si quelqu'un dit que tous les gens de l'Ouest, là, que les mères qu'on là, oh, la femme de Guillaume Soro, là, elle vient de là-bas. Est-ce qu'il n'a pas insulté? Vous voyez les trucs comme ça? Vous voyez des choses comme ça? C'est-à-dire, aller tellement. C'est pourquoi moi je dis toujours de faire attention à nos proches. L'ennemi là, tu le connais. Lui là, il ne peut pas. Lui, il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Parce qu'il sait que dès qu'il doit le voir là, tu dois faire attention. Mais c'est l'ami là qui devient l'ennemi. C'est l'ami là qui devient l'ennemi. Donc, je recommence encore. Quand j'ai, au moment où j'ai commencé, là, même moi, ma visite, quand j'ai été invité au palais, là, c'était pour me dire, non, il faut voir Guillaume Soro loupé. Je n'ai pas accepté. Au palais, hein, même au RHDP, même là, ils ont plein de vidéomans, mais ceux qui ont mis pied là-bas, peut-être c'est à l'occasion d'une cérémonie. Ils n'ont pas été invités comme moi j'ai été invité. Un jour où frappe, ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé, je suis parti. Et puis je ne voulais même pas aller. Et c'est vous aujourd'hui là. Vous êtes, moi, je n'ai pas besoin de place de quelqu'un. Voilà, moi je crois en Dieu, j'ai foi en Dieu. Je sais, moi, c'est qui, moi, la confiance de Soro là, moi, ça me suffit. La confiance de Guillaume Soro là, moi, là, ça me suffit. Parce qu'il sait que je ne parle pas pour plaire aux gens. Merci beaucoup, Babou. Merci beaucoup. Merci, Babou. Ami Foufana, salut. Colette, salut. Moustapha, salut. Amao, salut. Donc, Guillaume Soro là, Guillaume Soro sait que moi, Amiral Blindé là, je ne parle pas pour plaire aux gens. Lui, il le sait très bien. Et puis, il sait que je suis un homme digne. Je suis comme lui. Voilà pourquoi je le suis. Moi, je ne viens pas pour plaire aux gens. Ça, c'est mon totem, ça. C'est pourquoi tu peux être ami avec moi sur Facebook. Je vois, on commente toujours. Mais le jour, j'ai fait que... Et puis, tu as venu me parler de façon... Mignamrodim bloqué à même état. Et puis, je suis devant. Alors, je demande à ceux-là qui disaient l'année passée là, que moi, je suis parti au RHDP parce que j'ai parlé de paix, de réconciliation entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Là. Envoyez vos preuves là. Je suis où aujourd'hui là? Parce que je n'ai pas tapé pour toi. Puisque vous n'avez pas pu prouver que j'ai touché, que j'ai embauché les 56 000 euros. Parce que Amaseka a prouvé. Vous êtes levé. Et je sais, je connais tout le monde. Mais je me mets au-dessus. Je sais, je connais tout le monde. Tous ceux qui ont, même les hypocrites qui. Non, moi je ne crois pas. Hein, tu sais, moi, c'est. Oui, non. Non. C'est parce que vous avez échoué. Ah oui. C'est parce que vous avez échoué. Ceux qui faisaient vidéo, même ceux qui ne faisaient pas vidéo, c'est parce que vous avez échoué. Moi, si tu as affaire à moi, là, il faut être dur. Et puis ma tête travaille trop. Voilà pourquoi on est beaucoup aujourd'hui là. Moi, je ne viens pas m'asseoir parler comme ça. Moi, là, quand, si tu es mon adversaire, là, c'est-à-dire, moi, je peux te déstabiliser. Donc, dans mon camp au GPS, là, moi, je ne les calcule pas. C'est les gens qui sont en face, là. C'est ceux-là. Vous allez faire hier parler. Il y avait plein de vidéomans, là. Quand ils sont venus à nous, là. Vous savez pourquoi ils sont arrivés. 5 francs, je ne les ai pas donnés. Mais j'ai su me comporter avec eux.
Ben, ils savaient qu'une fois avec moi, là-bas, ils ne vont plus les faire confiance. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi là qui ai fait ça. Et c'est à cause de mon intelligence là aussi, là, que nous sommes des millions de personnes aujourd'hui à suivre Guillaume Soro. Donc respectez les gens. Je ne veux pas la place de quelqu'un. Il ne faut pas que quelqu'un va essayer. Parce que moi-même, je n'ai pas de place. Moi, je suis dans l'affaire de Soro là comme ça. Moi, le plus important pour moi là, on sait que l'affaire de Soro là, c'est Amiral Blendé qui a commencé. Amabawa, si je ne suis pas bête là, pourquoi y aller dire ah, lui là il est comme ça, lui là il est comme ça. Et puis qui fait mieux vidéo que moi? Qui fait mieux vidéo que moi? Si moi ma page n'a pas de problème là, qui fait mieux vidéo que moi? Moi je suis un doyen. Moi c'est pas dans direct hein, que j'ai commencé à faire vidéo. Moi j'ai commencé à faire vidéo depuis au moins on faisait les vidéos préenregistrées. Tu fais vidéo et après tu regardes 2 minutes, 3 minutes, après tu publies. Pour avoir 100, ça veut dire pour avoir 100 vues même là, c'était problème. Donc personne ne peut moi m'effacer auprès de Soro. Dans le combat de Soro, la mortée, tu peux te donner tout ce que tu veux, tu peux imaginer tout ce que tu veux, mais il y a Amiral Blendé. Il y a Athénée Lonlé. Ça me fait mal, hein. Parce qu'il y a des gens, même il y a des grands frères qui m'ont appelé, que des hypocrites. Non, mon petit, vraiment, tu as fait ça là. Bon, vous les bâtards là, tous ceux qui m'ont appelé, puis ceux qui ne m'ont pas appelé, tous ceux qui étaient dedans là, vos mercons, je répète encore, vous étiez où? Quand Soro était à Abidjan là, vous étiez où? C'est moi j'ai déclenché l'affaire. Et puis vous voulez vous jouer les dieux aujourd'hui là. Je respecte tout le monde, hein. Mais celui qui me manque de respect là, ça c'est clair et net. Et puis Brokourou, il te sena. Si tu veux là, on n'a qu'à aller chez les fétichés, il te séfrani. Surtout, tu peux pas. ITC. Ah, maintenant. Donc, désormais, là, allez-y chercher vos traites là ailleurs. Moi, chez moi, on dit, il y a un proverbe qui dit chez nous, que je ne peux pas créer une danse et puis aller m'arrêter derrière pour regarder. Moi, j'ai une dignité, moi. Je viens d'un père digne. Moi, je ne suis pas à vendre. Sinon, il y a proposition. Et puis, ce n'est pas tout le monde on achète. Hein. Bête et ça. Ce n'est pas tout le monde. Et je me sens tellement bien aujourd'hui, depuis que je me suis retiré dans fait de groupe, quoi. Je me sens tellement. C'est-à-dire que j'ai moins de soucis. Je suis tranquille dans ma tête. Allez-y chercher les traites. Vous connaissez très bien les traites. Tima, salut. Adam Soro, salut. Quelqu'un, il sort, il parle, c'est comme s'ils étaient trucs, quoi. Et puis, c'est vous qui allez parler sur moi. C'est vous là qui allez parler sur moi. Ouais, je ne veux pas appeler quelqu'un pour dire, ah, t'as vu l'an passé là, ils m'ont dit ça là, ils m'ont... Non. Moi, quand c'est chaud là, c'est ici là, je viens m'asseoir. Là, comme ça, quelqu'un ne va pas passer derrière. Moi, il m'a appelé pour me dire ça là. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Vous m'avez connu dans vidéo. Si j'ai un compte à régler, c'est dans vidéo ici, je règle. Voilà. Tenez, madame. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah, quand même, non? Il n'y a pas quelqu'un. Et puis moi, les vues des vidéos là, moi, ça ne m'effraie pas. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Moi, là, souvent, je peux être à 75 personnes, mais je fais vidéo. Ça ne change rien. Ma manière de parler ne change pas. Et ça dit, je fais toujours vidéo. Moi, lui que moi, je vais respecter, c'est lui qui va faire vidéo pour dire, bon, demain, Ouattara n'est plus président là. Et puis, et puis on arrive demain là, et puis Alassane Ouattara n'est plus là. Moi, hier, t'ai dit patron, d'en faire des vidéos. Tu peux faire 200 000 en ligne, tu peux faire 1 million en ligne. Tant que ta vidéo là n'enlève pas Alassane Ouattara là, tu n'es pas fort que quelqu'un. On peut s'engager, ah, tu es un 10, tu es comme ça. Personne n'est fort dans la vidéo. Mais ce que vous ne voulez pas accepter là, parce que j'entends. Oui, lui la main, il se prend pour qui? Lui la main, il se prend pour qui? Oui,
Je me prends pour celui qui a commencé et puis on est beaucoup dedans là. Oui, ça seulement là. Ça dit, ça seulement là. Ça aide dans moi. Et puis ça aide dans vous aussi. C'est ça là que vous voulez enlever. Athéna Sekaboy. Athéna Sekaboy. Athéna Sekaboy. Vous avez fait pour vous. Moi, l'anniversaire est arrivé là. Vous avez oublié, mais moi, je n'ai pas oublié. Facebook m'a envoyé. Marie-Jo, bonjour. Comment tu vas? Donc, il faut qu'on se. Il faut qu'on se respecte dans le combat. On a qu'à se respecter. Parce que moi, Amiral Blindé, là, quand je me mets dans quelque chose, là, Dieu même il fait ça. Quand je me mets dans quelque chose, ça prend. Je suis allé au Mali, là, j'ai Gafour là-bas. Actuellement, là, nous tous, on est là-bas. Je suis allé au Burkina encore, j'ai Gafour là-bas. Donc quand je crée comme ça, là, quand vous venez là, calmez-vous. C'est moi le créateur. Quand j'ai Nyami Kouan là, et puis Alou Bena Totan, Abba il est calmé. Parce que voilà. C'est Dieu même qui a fait ça. Moi, je ne suis pas les autres. Mais c'est les autres qui sont dans moi, mes traces. Donc, ça, moi, je connais ma puissance de frappe là. Je suis comme Satan 2. À Matiban. Et puis moi-même, souvent, il me pose la question. Pourquoi les gens ont peur de... Ça dit Satan 2. Pourquoi avait-il sera dans fais-moi essayer. Bon. Ils n'ont pas encore essayé. Bon, je me pose la question. Où ils ont essayé ça et puis ils ont peur de ça. Hein? Donc, c'est moi. Donc une fois, ça dit c'est ça. Kobena, ça dit Kobena d'Anganlebe quoi. Tu t'en quelque part, tu touches quelque chose net là, tout le ça dit ça gafoule. Et affaire de RHDP là, RHDP défendre Alassane Ouattara là, c'est moi qui ai commencé aussi. Quand j'ai dit commencer là, commencer et puis je suis resté dedans. Son papa avait commencé avant moi, c'est lui qui répondait à Johnny Pacheco. Mais moi quand j'ai commencé là, quand papa s'est arrêté là. Quand j'ai commencé, jusqu'à quand j'ai quitté le RHDP, je suis encore dedans. C'est derrière moi, là, les Boubacar Touré, les IBC Wala, les Black Samouraï, tous ceux-là sont arrivés après moi. Ah, lui, il n'y a que mon façon de dire. Hein? Alors, lui, il n'y a pas de qui est. Moi, j'ai déjà créé, et puis, mon cher Allah, là. Même si je prends aujourd'hui, je ne sais pas qui même. Même si je prends Kakabé aujourd'hui, là, j'ai Gafoul pour Kakabé, là. Vous allez voir, ça a devenu beaucoup encore. Les gens vont avoir peur de Kakabé. C'est pas moi qui fais Soro. C'est pas moi qui fais Soro. Mais j'ai dit, quand je rentre dans quelque chose, là, à contre Brakabé, là. Donc, je me demande même s'il était dans la rébellion, là, mais nous, tout est dans quel patron bas, là. Nous, autres, mais à Toro de là, là. Pas une rébellion, là, mais à Toro de là, là. Donc quand je vois des plaisanteurs, même des gens à Abidjan, et ils se sont mêlés. Ils se sont mêlés, oui, ah, tu as trahi, tu m'as déçu. Vos mères cons, tous ceux qui ont dit ça là, tu m'as déçu là. Parce que Alou Mambla là, c'est pas vous. Maintenant, Dimi Bolata, moi c'est comme ça, je suis. Maintenant, lui qui est fâché, il ne faut pas, il va parler avec moi encore. Je suis malien même, ça même là, je doute même pas. Je suis malien bien bien liné. Moi, je m'appelle Madou Moribo. Non, il faut que les gens se calment un peu. Il faut pas à chaque fois. Personne ne peut me descendre. Parce que je ne suis pas contre quelqu'un. C'est ça ma force. Moi, je suis sans façon. Hein. Personne ne peut moi me. C'est-à-dire, personne ne peut moi me descendre. Au Mouroteï. Pourquoi? Parce que je ne suis pas contre quelqu'un. Ça va? Parce que je ne suis pas contre quelqu'un. Namo lui ouri qui dit que tani. Moi, je ne fais pas publicité. Non, je ne fais pas publicité. Oui, il a fait ça là-haut. Non. Moi, là, moi, je suis fort dans la vidéo. Hein. Peut-être que je ne vois rien dans tout, mais dans faire des vidéos là. Je me vois là-dedans. Agnavé Nada. À chaque fois quand moi je rentre dans la douche pour me laver, quand je mets l'eau sur moi, quoi, là, ça vient en même temps. C'est comme batterie. Quand il vient me laver comme ça, là, je suis chargé. Peut-être la fatigue fait souvent que je ne sois pas pour faire vidéo. Et puis je vais vous dire quelque chose. C'est pas tout le monde en achète. Bon, peut-être qu'ils ont cru que voilà, je vais vraiment toucher les 56 000 euros. Jalousie de l'argent là. Peut-être qu'ils n'ont rien contre moi-même. Mais le fait qu'ils ont dit que j'ai touché 56 000 euros,
Mais les frères, moi, on me propose toujours, même élection 2020, là, deux vannes, plus deux petites voitures, 70 000 euros. Ils m'ont proposé ça. Au nom de Dieu, le Créateur, avec le contrat, j'ai refusé. Mais ils ont parlé de tout ça là. Si moi je me cachais pour aller faire ça là, ça allait être devenu buzz dans les mains. Ah oui, il avait fait ça. Mais avant de partir là, je les informais toujours. Ah, j'ai dit, ah, j'ai un rendez-vous. Pareil, je me connais. J'ai un rendez-vous, voilà, voilà, voilà. Même quand je vais là-bas, souvent je viens, je fais compte rendu tout ça. Mais ils ont gardé tout ça. Jusqu'à aller dire même, ouais, c'est lui, il vient, il dit, ouais, Soro m'a appelé, Soro m'a appelé. Alors, né Ourouléa, Soro ne peut pas m'appeler. Soro là, il ne peut pas m'appeler. Moi, j'ai fait vidéo ici. J'ai fait vidéo ici pour dire que je vais croiser Alassane Ouattara. Ils m'ont appelé. J'ai demandé aussi à aller voir Gbagbo Laurent. Ils m'ont appelé. Et j'ai demandé aussi, quand Bédé est venu là, j'ai fait vidéo ici. C'est moi qui ai parlé de ça. Pour dire qu'on veut croiser Bédé là, c'est moi qui ai parlé de ça ici. Mais ils ne sont pas passés par moi pour faire le OK. Peut-être qu'ils n'avaient pas mon numéro. Ils ont appelé Soulé. Non, là, il y a Alouen Antrongoti là. Même le maire de Plateau là, l'ancien maire de Plateau là, lui, bon, je ne savais pas qui il était. Quand il m'appelait souvent, voilà, il me disait, mais je ne le calculais pas. C'est pas que, pas calculer, calculer, c'est un faux type. Non, pareil, il sait, parce que moi, je fais beaucoup attention. Il voulait même m'inviter chez lui. Au moins, il était en exil ici, là. Le ancien maire du plateau, là, oh, j'ai oublié son nom, que Alassane dit que, ouais, que Akawar Chouen, le vieux, là, Akosi Benjo. Akosi Benjo là, l'homme qui a géré la commune du plateau là pendant des années là, lui m'a appelé ici, mais j'ai jamais mis les pieds là-bas. Donc on n'a qu'à se respecter. Si moi j'étais un garçon djandjou là, kaburu buru fait encore, non. Je suis dans ma galère, je demande service aux gens, oui. Mais je préfère ça que de me faire acheter. Parce que j'aime me vendre là. Demain là, est-ce que je peux parler? Au RHDP, là, ils ont tout fait pour pouvoir m'humilier, mais au massé. Parce que j'ai été toujours comme ça dans mon combat. J'ai été le premier ici à critiquer Alassane Ouattara. La première sortie des microbes, ils ont tué une femme à Yopougon. Une go qui partait passer son examen. Ils ont assassiné la dame. Ce jour-là, Magie Sissam était en concert à Yopougon. Ahmed Bakayoko, père à son âme, était là-bas. Je suis sorti, j'ai fait vidéo ici, j'ai interpellé Alassane Ouattara. Mais c'est tout le Nord qui est sorti pour m'insulter. Jusqu'à après, tellement c'était beaucoup même là. Moi, je suis venu m'asseoir encore. J'ai dit non, le vieil Isawari, tout ça. Mais je regrette aujourd'hui. Je regrette pourquoi j'ai demandé pardon. Parce que j'avais raison. Donc, quand je vois des gens qui viennent... Antese kake kelenye. Ne tese kaka alouye. Alou tese kake ne. Ça, c'est la loi de la nature, ça. Il est TCK, tu ne peux pas faire comme moi, moi je ne peux pas faire contre toi. L'influence là, c'est Dieu qui donne. Ah oui. L'influence là, c'est Dieu qui donne. Tu peux être. Il y a des moutons qui sont plus gros que lions, mais ils ne sont pas influents. Mais quand on voit un lion, c'est. Hey, ouradinfle. Ça, c'est l'influence que ouais, Dieu a mis dans lui. On n'est pas la même chose. Moi, je peux. Et puis, même, ils ont dit. Et puis, même moi, au nom de Dieu, hein, que non, quand tu fais vidéo, tu dis non, Guillaume Soro est ton ami. Guillaume Soro. Même Dieu, même, avait son ami. Le Créateur, même, là. Ils m'ont reproché tout ça. Non, quand tu fais vidéo, tu dis Soro, il est ton ami. Mais il est mon ami. Guillaume Soro, il est mon ami. Il est le président, mais il est mon ami. Même Dieu, le Créateur, même, là. Il avait son ami qui était le prophète Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam. Et vous allez sortir comme ça. Ils ont pris tout ça là comme argument. Non, quand tu fais vidéo, bon, t'es qui est libre. Pignon. Ça vous dérange? Ah, t'es dit, il dingue là qui refera. Merci beaucoup, Marcelin. Ils m'ont appelé pour me.
Non, quand tu fais vidéo, il ne faut pas dire non, que Soro il est ton ami. Ni ma foi fable là, non. Si il ne dit pas là, il n'est qu'à devenir bobo. Soro il est mon ami. Il est où le problème? Ali terrible à l'air là. Dieu même là, le créateur même là. Terrible à l'air là. Il a dit, ils veulent prendre ça pour Dieu. C'est-à-dire pour mettre dans la tête des gens. Non, ils ne respectent pas Soro. C'est à quoi avoir? Dieu même qui nous a créé là, il dit, prophète Mohamed là, il est mon ami. Il y a Allah Téli qui est bête à voilà. Non, moi je ne suis pas. En tout cas, je ne suis pas féticheur. Bon, j'ai fait féticheur Bembourg, mais je ne suis pas féticheur. Moi, je ne vais pas faire du mal à quelqu'un. Jamais de la vie. Parce que je vais rendre compte demain. Je ne vais pas prendre le nom de quelqu'un aller faire fétiche. Jamais je vais faire. Mais tous ceux qui ont essayé là, Abebe Nassara. Jusqu'à même dit même entre eux là-bas que non, ce qui arrive à Amiral là, c'est pas normal. Hein, ils veulent le rendre fou, tout ça là. Moi Amiral Blendé, moi me rendre fou. Nogodjawa Mrandeo. Ma grand-mère là. Côté paternel, la grand-mère de mon grand-père là. Non, la maman de mon grand-père là, elle s'appelait Bakuru Djawa. Demandez dans le Yoruba. Dites son nom seulement, Bakuru Djawa. Adja Nogoda, Adja Nogodjawa. Aninya, Bakuru Djawa. Moi là, je suis le petit-fils. De pa... Et puis elle m'a vu, Kanta. Dernier cri. Donc, vos conneries là, moi j'ai pas peur de ça. Hein. Vous pensez qu'on se lève comme ça pour critiquer Alassane Ouattara? Moi, mes followers aujourd'hui, là, ils sont tous vidéomans aujourd'hui. Et puis, c'est ceux-là qui veulent moi me combattre. En toute façon, craignez-vous. On a traversé des moments difficiles. J'étais encore au RHDP. Lorsque Alassane Ouattara et Bon Koulibaly, là, ils ont dit qu'ils ont retrouvé des armes sur Soultoussour là. C'est moi là, je suis sorti, j'ai cassé papo. J'étais encore au RHDP. J'étais encore au RHDP. J'ai dit que c'est Alassane Ouattara, les armes là, c'est pour toi. J'étais encore RHDP. Mais Algo, tu m'es mille. Vous étiez où? Vous là, vous étiez où? Si tu vois que l'affaire là n'est pas partie loin là, c'est moi, je suis sorti. J'ai dit non, il n'a qu'à dire aux gens. Qui, ça dit, arme là, où c'est quitté là, c'est Alassane Ouattara qui a payé. C'est lui, il a mis ça chez Soultoussour. C'est moi qui ai dit ça. J'étais encore au RHDP. Je n'étais pas opposé, mais j'étais au RHDP et puis j'ai dénoncé. À Vidobe, vous pouvez taper sur YouTube, à Benabo, à Bafle. J'étais encore au RHDP. Non, faut pas, les gens vont sortir par jalousie, venir dire oui, il a été acheté, Si quelqu'un doit être acheté là, alors vous venez à s'en aigner. N'était ça. Parce que je sais ce que je veux. Et je sais ce que je veux. La dignité là, moi je ne joue pas avec ça. Arrêtez de faire chier les gens. Et puis arrêtez de vous prendre pour des super gens, voilà, trop puissants, tout ça là. Vous pouvez considérer, mais chacun sa place dans faire de ce rôle là. Bonsoir, mon grand. Non, il ne faut pas que quelqu'un va sortir encore, faire des trucs. Chacun fait sa vidéo. Je ne vais pas critiquer quelqu'un. Je ne vais pas me mettre contre quelqu'un. Mais quand je fais mes trucs, il ne faut pas que quelqu'un va venir dire oui. Ils l'ont acheté. Ne te saraye. Moi, on ne m'achète pas. C'est quand je veux. Voilà, moi, là, c'est quand je veux. Ne te saraye. Alassane Ouattara, là, j'ai vu. Budget de souveraineté d'Alassane Ouattara, là, ça fait 400 milliards par an. Ou bien par mandat, ouais, je ne sais pas. J'ai vu ça, j'ai laissé. Et puis, j'ai dit Guillaume Soro. Parce que c'est à cause d'Alassane Ouattara, moi, j'ai aimé Guillaume Soro. Parce que tellement j'aimais Alassane Ouattara, j'ai aimé Soro. Pour tout ce qu'il a fait pour lui. Et puis maintenant, l'amour de Soro, là, avec l'injustice que ouais, le RHDP a mis sur Guillaume Soro, là, ça fait que, il dit non. Alassane Ouattara, lui, vivait une injustice ici. Voilà, lui, il est au pouvoir aujourd'hui. Ils sont en train. Et puis, j'ai parlé. Avant de quitter le RHDP, là, j'ai parlé. J'ai toujours parlé de ça. Si c'est l'argent, là, je n'allais pas quitter là-bas. Si c'est l'argent, là, nous, de Naboyoron,
Donc chacun n'a qu'à s'occuper de son problème. Il ne faut pas que quelqu'un va venir dire encore non, Blené, il l'a acheté. Même si je veux aujourd'hui encore là, je vais engager à faire des réconciliations là encore. Et il y a quelqu'un même qui me dit, oui, le fait que tu as porté le t-shirt d'Alassane là, vraiment tu as mal fait. Même Nakandia Bimado, grand frère, ça c'est pour toi ça. Même Nakandia Bi, par exemple, tu es cohérent. Même si je veux aujourd'hui là, il y en a ta cadeau. Et puis, cacha pour Domouna. Et puis, tu es ce qu'il faut y faire. L'homme c'est moi qui arrive le problème non. Et puis c'est vous qui êtes caché là, avata nous. Ah non mon petit, non, fallait pas faire ça. Mais ma que pion. N'y en a que faut kake. Ok, comme c'était l'anniversaire de l'accusation, la fausse accusation contre moi là. Donc le soir maintenant, il est venu, je vais rentrer dans le temps. Parce que ça là, c'est du passé. Mais l'année prochaine encore, Inch'Allah. Si on arrive encore dans le truc là, dans moi ça là encore, si je reçois encore une vidéo là, il est sorti encore, il est fait une vidéo. Et puis c'est quand on va arriver à Abidjan là, on va voir qui est qui même. Pas moi, je m'en bats bien, je pas ici là, tu ne peux pas frapper quelqu'un. Quand on va arriver à Abidjan là, Aminata Shemanya Boy. Voilà. Moi je ne suis pas Guillaume Soro parce que, hein, voilà, j'ai vu quelqu'un qui est à côté de lui. Hein. Moi j'ai vu ce Soro même là, c'est pourquoi j'ai toujours parlé de lui. Pourquoi il a toujours parlé de lui? Big up à mon vieux père. Soul to soul, courage, on ensemble mon croix. On ensemble mon vieux. Il n'y a pas de trahison chez nous. Je suis fier de toi. Il n'y a que soul to soul et les man yao en prison là. Ceux-là, ils attendent que ceux-là changent. Et puis ils vont dire non, mais soul to soul, t'es changé. Dignité faquée. C'est soul to soul. non, ça là, je sais que à ça, on a souvent quand il a assis, ah, sur tout. Il y a tout, si tu veux tais-toi, il faut laisser Soro à tais-toi. On ne laisse pas. On a élu. De la manière que Babo proposait l'argent là, pour que ceux-là te laissent tomber là, ils ont refusé là. C'est comme ça là, toi, tu es en train de faire aujourd'hui, pour qu'ils laissent tomber Soro, mais à te laisser tomber. Donc on ensemble. Voilà, j'ai parlé comme ça, nous tous m'en a donné quoi. Et puis joyeux anniversaire à Mokoteur, autorité Mokadeni. Joyeux anniversaire à toi mon frère, beaucoup de bonheur, santé, longévité mon frère. On ensemble. Voilà. Moi il a dit pour moi. Moi j'ai pas appelé quelqu'un. Vous allez vous appeler. Ah Blendé, il a fait vidéo. Oui Nataguni Nyongyaine. Voilà, ou bien à Dani, non, il a fait une vidéo. Voilà. Ali Kone. Robert lui dit quoi? Congolais que je suis, le retour de Bogota est un meilleur bloc pour ton pays, son frère. On rentre un bout de train pour les 3 juillet, l'émergence. David HKV. Afrique, ma patrie. Il lui dit quoi? A te laisser. Dos loso. La sina doso. A te laisser. Soro te laisser. Et puis, j'aimerais dire ici aux militants du RHDP là. Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de vous blaguer? La puissance d'Alassane Ouattara. Ancien taximan aux États-Unis. Kanye Datres, le bâtisseur. Vous avez dit que Soro, il n'est rien, il est fini. Mais attends, c'est là qu'il a rapatrié. Attends, pourquoi il tient fagné? Et puis les 3000 mots là, vous allez nous dire. Bah, ce n'est plus Gbagbo. Parce qu'il a été jugé 10 ans. Ils n'ont pas fait ça à la va-vite pour dire, non, il est parti, ils n'ont pas eu le temps. Comme bon, ils ont libéré 10 ans sans dit temps. Il y a des enfants Djangou même là. Ils sont nés en 2010 là. À 11 ans déjà, eux, ils peuvent enceinter. Voilà. Donc ce n'est pas Gbagbo, ce n'est pas Blé Goûté. Parce qu'ils ont été jugés. C'est sur ça que je m'appuie pour dire, ce n'est pas Gbagbo, ce n'est pas Blé Goûté. Maintenant là, il y avait deux camps. Camp Ouattara et puis camp Soro. Il y a camp Ouattara et camp Gbagbo.
Donc il y a un camp qui a été jugé. Maintenant, ils ont dit ceux-là, ce n'est pas eux. Ko'olouté. Donc on attend, comme le monsieur aime trop la justice, Alassane Ouattara. Lui-même, il dit, dans un truc où il dit que dans la Constitution, qu'il y a certains actes, quand tu poses, voilà, tu dois t'attendre aux conséquences de nanani, nana, justice, tout ça là. Mais Alassane Ouattara, je demande aux gens, Banoum, salut. Je demande à Alassane Ouattara et aux parents des victimes là d'aller voir Alassane Ouattara. Parce que ça ne peut pas rester comme ça. Vous ne pouvez pas juger Gbagbo Laurent pour braquage de CDAO. Et puis, en plus, il est en liberté. Vous avez dit que c'est prison ferme. C'est pourquoi quand on dit Alassane Ouattara, il ne faut pas prendre ça mal. Quand on dit qu'il n'y a pas de justice là, c'est ça là. Quelqu'un qui est condamné 20 ans, prison ferme, il n'a jamais mis les pieds. Bah, tu ne peux pas. Il t'est scellé. Tu ne peux pas attraper Gbagbo. Voilà, il a été scellé. Ce n'est pas parce que tu aimes trop la paix. C'est pas si tu aimes la paix, là, tu vas laisser les gens. Mais c'est parce que tu n'aimes pas. Bah, c'est parce que tu as peur. Tu sais que tu ne peux pas arrêter Gbagbo Laurent. Tu ne peux pas emprisonner Gbagbo. Wallet Bilay. Ouattara ne peut pas mettre Gbagbo Laurent en prison. Il y a eu la prison là, Nyadjoma. Sinon, il veut, mais ATC. S'il y avait vraiment une justice en Côte d'Ivoire là. Et puis toi, Richard Adou, Bata, la Nyamrodin, tu es où maintenant même? Oh Richard Adou, tu as fini de faire les sales boulots d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro, perpétuité, tout ça là. C'est bon, procureur, il avait le dossier, il est sorti, il nous a montré des photos. Ils n'ont pas été capables de nous montrer les engins. Mais ces photos, ils sont allés faire. Moi, je peux vous montrer des milliards de photos de chaque combat, quoi. Je vais vous montrer. C'est ça là, vous appelez preuve là. Car qui sait qu'elles sont qu'on a, maintenant sont qu'on a. Même si on dit même que tu es le plus maudit même là, toi tu dois aller attaquer. Et puis qui peut attaquer la Côte d'Ivoire? Avec Baye Ouattara aujourd'hui là, il préfère acheter les armes. Baye, les Ivoiriens ne mangent pas aujourd'hui. Ils ont pris, ils ont blagué les gens pour dire non, logements sociaux, ils ont pris l'argent de tout ça là, ils sont allés payer armes avec. Au Marfa Djoukoumbeï, Sobroko, hôtel la mort, mette à Chirom là, Kaké, Katanyon, Mousso, Nino, Yorolène. Au Europe, avec un camp militaire et puis. Tellement djihadiste ou chez Allo, bro. Non, il ne faut pas venir m'insulter. Ce que j'ai dit là, il faut demander à Alassane Ouattara, il n'a qu'à mettre Gbagbo en prison. Sinon, ce que toi tu dis avec ta cravate dans poussière là, ce que toi tu dis là, ce n'est pas ça qui est la vérité. Moi, je ne suis pas maudit. Mais quand on est maudit là, on ne te calcule pas. Donc, il ne faut pas venir m'insulter. Il faut dire non, c'est vrai, Ouattara doit mettre Gbagbo en prison. Parce qu'il est. Et puis, Gbagbo est condamné par. C'est-à-dire, à quand Gbagbo est condamné, il a mis la nienne. A deux côtés de Akien, à Kroken, à Mamani, nous ferons la mico. Gbagbo condamné, Gbagbo a banqué les braqués. Gbagbo condamné, moi, il a condamné, moi, il a condamné, Gbagbo m'a condamné. A été à Ouattara, il a dit, il a choubo. Allez-y demander à Alassane Ouattara. Qui a tué les Ivoiriens en 2010? Il y avait deux camps. Camp Ouattara, camp Gbagbo. Gbagbo là, eux ils ont eu, la justice internationale a eu le temps. Et puis procès là, on a vu ça, il n'y a pas eu trucage dedans. À Bebola, même les sept femmes tuées à Bobola. L'espèce qui a pris ça là. Gbagbo n'était pas au pouvoir. Hein. Quand il était en prison, il n'était pas au pouvoir. Hein. L'expert qui a expertisé le comment on dit ça, le sang là, des victimes là, les femmes là, ils sont venus dire non, que c'est le sang des moutons. Demandez à Alassane Ouattara. Nalou amoureux fera la bobo vraiment. Moussoumi nous fera la na amoureux là. Alassane Nyinga, pourquoi akapre vous m'latra? Tu vas vous coco et ça va durer le tout mal. Que est-ce qu'il me fait du coup les canines? Ah oui, est-ce qu'il ne fonge du coup pas les canines? Et puis, vous là, vous êtes tellement aveugleux, vous voyez que Alassane Ouattara, c'est-à-dire ce qui est derrière là, vous ne voyez pas ça. Aujourd'hui, le pouvoir d'Abidjan, aujourd'hui, nous les nordistes là, c'est-à-dire dans la tête des gens, vous voyez, si Ouattara est un homme de paix réellement, ceux qui disaient dans le temps, c'est notre tour là, les Bédiers, les Babous là, qui disaient c'est notre tour là, on ne devrait pas, les nordistes ne devraient pas se comporter comme ça aujourd'hui. Vous vous comportez comme ça parce qu'en disant ceux-là ne nous aiment pas. Quand ils vont venir au pouvoir là, vous allez voir. Et puis je vois des moutons qui demandent la carte de séjour à la salle.
Il vient du Mali. Il est. Ouattara, premier cas de ces jours-là, c'est-à-dire là-bas, là, les gars partaient rafler à la mosquée, ce n'était pas au marché. Et ce n'était pas à l'église. Toi-même, là, dès qu'on te voit, Dromadou, là, cas de ces jours-là, mis ça dans la tête des gens. Cas de ces jours, Ouattara a mis cas de ces jours contre les djoulas de Côte d'Ivoire. Parce que c'est nous, on a payé. Et quelqu'un dit, hein, Bédé a envoyé l'ivoirité. Il n'y a pas de hein. Oui, bonne ivoirité, les capotes, Et l'ivoirité, là. C'est le cas de séjour qui a donné naissance à l'ivoirité. Non, j'ai m'arrêter même. Sinon, faut pas nous tomber dans le timide. On va dans la vidéo, c'est pas bon. Ah, l'amiral Blendé. Le nègre duro, Iron Man. Et qui est 2025. Ah, qui est sans l'hiver. Qu'il faut reconnaître, comment tu vas? On est en train de parler ici, toi tu viens mouton là, toi tu es venu. Tu sais, il y a des choses qui ne trompent pas. Hein. Hassan Ouattara, lui-même là, il a arrêté devant ses militaires. Il fait mais. Bon, et puis, les militaires là disent qu'ils sont moutons. Non, peut-être pour lui, comme il a parlé au moment, mais, il dit mais. Un mouton comme ça, là, toi tu es venu moi me parler ici, tu es malade. Tu penses qu'on est la même chose? Petit bâtard là, il n'est à cravati qui est douanier. Tu n'as même pas honte même. Un cravati d'Ocadie, le poussière là, raboute. Ta chemise, on dirait boubou là. Il y a été moqué, quoi. Il fait. Qui dit mon frère, on compte l'argent là quand. Quel argent ça? Je vois l'argent là. Bassirou, salut. Cas de séjour là. À la fois la scène, il n'est pas un cas de séjour là. Je sais que c'est vas-y là, lui-même là, à Kayoro et Ragaban, c'est lui qui casse mosquée. Ils vont aller casser mosquée sur vous là-bas, Kamle. Tiens, cas de séjour, Kabalaou. Ça dit, cas de séjour est venu diviser la Côte d'Ivoire dans le temps d'Alassane Ouattara. Quand il était premier ministre. Premier ministre, un an après, il était le président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que vous voyez là, lui, il était en point mort. Il ne fonctionnait plus, mais il était là, il respirait. C'est Ouattara qui faisait tout. Donc, cas de séjour est venu mettre division entre les Ivoiriens. Tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Ah, lui là, il est Ivoirien. Ah, lui là, il vient du Mali. Lui là, il vient du Burkina. Lui là, il vient du Sénégal. Mais les Béninois, les Ghanéens et les Togolais, eux, ils n'avaient pas de problème. Hein. Mais nous, les Bouboumans, là, c'est nous là, on a payé. En outre, c'est nous, on a payé. Et quand il voulait aussi. Eh non. Le V. Il aime le V. Quand il voulait violer la constitution encore après la mort d'Oufou Boigny, ils l'ont chassé à Bourla. Babou est venu. Bon, il ne sait pas si lui il a enlevé par amour ou bien par l'union. En tout cas, Babou a enlevé la calice. Et ce même monsieur-là, il est revenu encore. Il est venu diviser encore la Côte d'Ivoire en deux. Puisque c'est lui-même qui nous dit. Il dit les zones qui sont contrôlées par les forces nouvelles là, c'est quasiment notre zone. Non, on disait qu'avant lui, il n'est pas dedans. Plus crossero, comment tu vas? Ah, quand je t'envoie, d'accord, il faut attendre la fin du mois. On va compter ça ensemble. Kenye fly sa wanani lolo wolo runga e ko ya kan bi adi e na ga a we kon de ke ko ya kan lo kenye fly sa wanani lolo wolo runga si ni kono ta amore se yibu tabo timu se no ta la tan ke fo dans sa je moi c'est pas ma langue je suis burkinabé mais nous on parle pas amore. Je suis Kouéra de Burkina. Mais moi, je ne comprends même pas. Quand on est à Alassane Ouattara, il est mochi. Les gens se fâchent. Oufoué Boigny même là, vous dites que Alassane Ouattara est dans la trace de Oufoué Boigny. Mais Oufoué dit que lui vient de Ghana. Bon, Bédé même, lui, on ne connaît pas son papa. Mais ceux-là, ils se fâchent pas. Mais toi, on connaît ton papa Alassane Ouattara. Bon, Bawo même là, lui, on ne peut pas trop parler depuis lui là.
Ouais. Il a cherché une go blanche même. Quand elle a demandé mon nom là, il a dit je m'appelle Negé. Comme ça, quand elle va me dire bébé Negé, yes! Droit, c'est comment? Wana dessous, comment? C'est comment mon frère? Sorry Koulibaly. Sorry ton nom là c'est en anglais, I'm sorry. Ah, et c'est algo ma voix anglais, 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 fais mal l'état, algo. Ah, sorry. Il faut que j'ai appelé mon coiffeur là, sinon j'ai c'est devenu gnaa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 
Même quand quelqu'un est ton ennemi, là, souvent quand il te parle, il faut écouter. Vous savez, de la manière dont on vient au pouvoir, là, c'est comme ça qu'on quitte le pouvoir. Tout le monde a vu de la manière dont Ouattara est venu au pouvoir. Regardez, en 2020, ce qui a facilité à Alassane Ouattara de violer la constitution et puis dit aux gens qui gèrent la Côte d'Ivoire là. Je vous dis, hein, parce qu'il y a eu rébellion dans la Côte d'Ivoire là. Personne n'a condamné. Salut ma grande, ma trop ma Fofana. Ce qui a donné la force à Alassane Ouattara, de la manière, nous les panafricains, bon, je ne suis pas panafricain, je suis africain, je ne suis pas panafricain, parce que les panafricains là, bon moi je n'ai pas connu, donc je n'ai pas, il ne faut pas que quelqu'un va me dire, non, tu es panafricain, voilà, j'ai fait vidéo, je suis vidéoman, aucun enfant m'a connu panafricain. Parce que ceux-là, quand ils vont leur donner pierre de main là, nous, qu'on s'enroule dans la drogue, moi je n'ai pas confiance à quelqu'un. De la manière, la lutte en Afrique là, on est en train de mener la lutte là, la France a peur aujourd'hui. Francis Bessrana. Bah, Alassane Ouattara même, il est critiqué aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mandat illégal, troisième mandat, qui a été adoubé par Emmanuel Macron, son ami. Donc, d'après Alassane Ouattara, il dit que c'est son ami. Or, Macron, c'est l'intérêt de la France, lui, il voit. Et qui avait est compliqué. Donc, ce qui a donné plus de force à Alassane Ouattara en 2020, de s'imposer. Parce que Alpha Condé, lui il gérait la Guinée. L'ami, l'un des amis intimes d'Alassane Ouattara, il gérait la Guinée. Donc Alassane Ouattara avait l'assurance que non, là-bas, là, c'est géré, il n'y a rien. Le Mali, Ibeka était là-bas. Lui, là, il gérait. Donc, Ouattara savait que là-bas, là, c'était géré. Son neveu, Christian Marc Kabore, quand on nous dit Burkinabé, Abé Banala, je ne sais pas pourquoi ça te fait mal. Toi, tu n'as pas vu quelqu'un dans la sous-région là-bas, un pays là-bas, pour appeler son président, mon neveu, mais c'est au Burkina, là, Christian Kabore. Il coco Christian, il y a un neveu, là. Bon, au neveu, il y a un neveu. Toi, tu viens de Congo. Kabore, lui, neveu, on ne devait pas neveu comme ça, là. Si tu n'es pas neveu là, on ne peut pas t'appeler neveu. Donc, Kabore, il gérait là-bas, au Burkina. Et puis, Macron n'était pas trop attaqué comme ça. Comme de la manière il est aujourd'hui, là, il est attaqué. Jusqu'à la fin du mandat de Macron, là, il ne va jamais connaître la tranquillité avec les Français. Moi, je vous dis ça. Donc, Alassane Ouattara, ça a donné plus de force à Alassane Ouattara. Ça à vous, les moutons là, hein, du RHDP, là, Ngamal Oulema. Quand vous dites qu'Alassane Ouattara est fort, d'abord, je vous ai dit quelque chose. Ouattara, il est incapable aujourd'hui de vous faire plaisir en rapatriant Guillaume Soro. Donc, en 2025, avec tout ce combat que nous on mène, il y a une pression forte sur la France, sur les dirigeants français. Donc, ils vont plutôt écouter la population qu'un individu. Donc, Ouattara ne serait pas, en tout cas, parce que Macron va lui dire, je vous dis ça aujourd'hui, Macron va dire, donc le retour de Soro là, comme je mélange les mots, le retour de Soro là, ça ne serait pas le vœu d'Alassane Ouattara, ça serait imposé. Le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire là, avait imposé. Alassane Ouattara, comme de la manière, ils ont obligé Gbagbo Laura à accepter, à donner la nationalité à Alassane Ouattara et puis faire lui candidat et puis voilà, quand il y a eu l'élection, on a gagné et c'est la France qui était obligée encore, l'armée française allait bombarder sur les ordres de Nicolas Sarkozy, allait bombarder mon président Gbagbo Laura Kalabo. On a vu les militaires, les FRC. Vive la France! Vive la France! Les Ouattara ont fait à son âme, ils étaient au téléphone en train de dire, ah non, les Français là, s'ils peuvent faire ouverture, nous on va passer. Regardez, il y avait Zakaria, il y avait Touré, Ousmane Chérif, il y avait Mourou, il y avait tous les chefs de guerre là, au Bétoumé. Il y avait beaucoup de gris-gris. Zakaria même là, lui il avait mis son gris-gris même dans le sac. Tellement à Camilletine de l'Europe, là, il n'y avait plus de place, il l'a mis dans le sac. Mais là, lui là, quand Dezodré qui va, nous voyons, moi, crimpé les canards, Zakaria.
tellement à gris nous à cadre Europe là à cadre de nous à cadre qui nous doit cadre de Europe là Europe est voilà nous attend la drague bag et c'est capri pas la drague bag là car il n'y a pas Europe que cette année nous courons qui s'est coupé tout que coupé pas que va qu'on coupe Europe à cadre à droite aye tout ça là aye boubou là c'est maintenant une bémoise qui a des drague bag là on a tout que brûlé qu'on a devant mon bruit qu'on est a ka toke saki kono ka den kola me alu ma se ka gbawo mle alu ma se ka gbawo lo ramla je ni so di je ma me avant da tutu weekend avant tutu weekend ka gbawo mle je français le lu na mla ka da ma jo ah non c'est juste là on a remercié la France déjà moi aussi je voyais rien mais maintenant là je vois les choses la France là les gouvernants français là ils sont pas bien ils sont pas pour notre bien en Afrique. Ça là, on va dénoncer. Donc, les moutons, les mais, vous là. Donc, Alassane Ouattara n'a plus ces trois pions là autour de lui encore. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que quand vous nous annoncez la victoire de 2025 d'Alassane Ouattara, nous, on vous dit qu'on ne va pas accepter. Ah oui. Et puis, Alassane Ouattara aujourd'hui, il est le mal-aimé de l'Afrique. Le mal-aimé, le président mal-aimé en Afrique là. C'est Alassane Ouattara. Donc, il y a qui du guerre, allez-y payer ça, à trois bords de l'eau, qui a qui, kaloka, à Dassri qui signale. Amen. Et qui est-ce que moi, je sais que 2025, là, on est à Abidjan. Ah! 2025! Amen, Fengado. Oui, à Dondo Vikela. Attends, je vois les danses là. Oh, c'est quoi? C'est danser pian. C'est danser pian. On va aller danser dans la. On va aller danser dans la vie là-bas. C'est verser pian. On va aller sur la loupe. Vous allez devenir tous les tours de Madou là. Abbé, venez avec vidéo manie. Abbé, tout. Abbé, venez avec. Abbé, la vidéo. En solo, il j'ai mal. On n'est pas d'accord. Moi, je m'appelle Amiral Blené. Je suis venu chercher les testicules de ton papa. Chaibou Ada, il faut dire quoi Mtoulan. C'est ça que je suis venu chercher. Il y a blanc chez moi. Il y a français dans mon pays. On te parle de l'armée française. Nous sommes dans le Bakinabo, petit bâtard. Il y a Dreki Tchedjouni Kanan. Tu es assis dans une vilaine maison comme ça et puis tu parles mal aux gens. Tu sais quoi? Il n'y a pas de bain en ligne. Il faut dire quoi. C'est ça que je suis en train de chercher en France ici, bâtard là. À 2025 seulement, en gros qu'on galant, à Medo. C'est dans ce pain. C'est dans ce pain. Et puis ça, là, il y avait ça, la réponse. C'est dans ce pain. À ce moment, Bulldog News qui nous vient, au bébé Burkabo, ils vont fuir. Donc, c'est ce qui a permis à la salle d'entrer. Et puis Macron s'est caché. Tellement la constitution a été violée, Macron s'est caché pour féliciter Alassane Ouattara. Vous pensez qu'il serait prêt encore à refaire ces bêtises qu'il a fait là? Il y a eu 300 et quelques morts en Côte d'Ivoire. 300 et quelques, on a vu les microbes vis-à-vis en train de tuer les gens. 2025, Albi Osa, Ali Nwadama. Hey, Madou, joli garçon. Quand il parle comme ça, ça le fait mal. Attends, c'est quand nous, pas je suis joli. On t'a dit, ni qu'à fois dit. RHDP. Dieu me m'a fait des cas. RHDP, quoi, il est bandé en 2025. Ah non, là. C'est pouvoir bel et bien. Il y a eu des dictateurs plus graves qu'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, lui, il n'est pas dictateur. Lui, il est apprenti dictateur. Alassane Ouattara, parce que lui, quand tu vois un dé, il condamne tout le monde 20 ans. Si on ne fait pas attention même là, plus chéri là, ils vont mettre 20 ans sur elle encore. Inch'Allah. Yego, on va reprendre. Bah, moi, je préfère que Gbagbo me tue. Bah, ça là, je ne serais pas trop fâché. Bah, il a dit non,
il vient pas du Nord, il m'a tué, c'est bon, voilà. Mais si Ouattara me tue, c'est ça qui va me faire mal. Donc là, là, comme vous dites que vous ne voulez pas Guillaume Soro, là, qu'il est comme ça, là, ah, nous, on va faire chemin seul. Maintenant, là, devant là-bas, là, si on doit se mettre ensemble, là, on va se mettre ensemble. Et puis, on va gérer la Côte d'Ivoire. Et puis, Gbagbo a trop fait de faveur depuis la rébellion d'Alassane Ouattara. Même avant la rébellion, Gbagbo Laurent avait fait un gouvernement d'ouverture. C'est ça, non? Ouverture de gouvernement ou bien gouvernement d'ouverture. En tout cas, prendre un peu partout, Kamoro Frafra Nyonga. Gbagbo son ami, mais Alassane était son man. Et puis, il m'a bon loka dit mon roman. Il n'y a pas bon loka. Akane a bon, moi j'ai pris des appartements. Nul m'a dit à à l'époque, j'étais avec ma femme. Elle allait être. Je suis allé. Vous avez volé les. Même les Bengis Ourouari, à l'époque, là, ils travaillaient chez. Akana Ouroué à Wardodoum. Il y a mon maître Jean Ouroué à. Bina Diara, ouais, ça va bien. Et toi, Walkou Salam. Antala Keke, ni Tunka Djama Yorolaï. Djama, coffret de dossier, on allait payer ça. Il y a d'autres même là. Ah, moi j'ai pris 10. Ah, moi j'ai pris tant. Imaginez-vous. Et puis maintenant, vous voyez, Atesana Lagne, 4 ans, 11 millions, 400 000, vous avez volé à Abidjan là-bas. Moussou Groba Bola, la vidéo qui est cascassée. Et puis qui gère ça? C'est Bruno Numbanye, il y a le gendre d'Alassane Ouattara là. Le mari à sa nièce là, quoi Bruno, Dieu ne donne pas nom pour rien. Bruno Nabanye, c'est pas Bruno Nabanye, il a dibané comme ça, André arrière de poule là. Bruno Numbanye Kone, c'est lui là qui a bouffé. Il est proche d'Alassane Ouattara. Aka Moussoukorba a 11 millions 400 d'hommes. La vie est en train de pleurer. Oh, Mouroli Kacha. Mais elle là, elle a eu courage de sortir parler. Ah ben, il faut Alassane tromper. Alassane, lui, il ne vole pas. Lui, il viole la constitution, mais il ne vole pas. Tous ceux qui sont autour d'un au Benso. Et puis, quoi, Adama Bitogo, qui dit que lui, il veut être président. Et puis, faites attention à Adama Bitogo. Hein. Partout où il y a Gbagbo Laurent, Adama Bitogo est là-bas. C'est-à-dire, il est en train de chercher position. Non, c'est mon gris-gris qui est dedans. Donc, ça veut dire que mon féticheur m'avait dit ça. Quoi, si Nina vient, elle demande quoi, il faut faire ça seulement. Elle n'a qu'à demander ça. Non, toi là, non, ça y est, c'est géré. T'es bouclé. T'es à moi, Nina Begré. Adama Bitogo, là, il était le conseiller de Guy Robert à l'époque. Au moment où ils ont voté le E et le OU, là. Guy Robert, il avait comme conseiller Adama Bitogo, là. Adama Bitogo, lui, il s'arrange. Quand il voit que c'est pas bon, là, il vient ici. Adama Bitogo, je vois Adama Bitogo. Salut, Youssouf Kone. Je vois Adama Bitogo. Gbagbo Beyoro Yoro Abeyi. Et puis, il se joue là. Mais Bitogo, il paraît que la femme de Tagro, là, que tu as marié la femme de Tagro, quand tu étais en truc, comment on dit ça, que tu étais associé à lui, que vous avez eu des sociétés ensemble, toi Adama Bitogo, toi tu es militant RHDP, RDR, toi tu dis tu aimes Alassane Ouattara, mais un pro-Gbagbo, un ministre de Gbagbo, tu es associé à lui dans une société. Et bizarrement, le monsieur, il est assassiné, on dit... C'est Zakaria, c'est ce qu'on dit. Moi, je ne suis pas en train de dire ça. Hein. C'est Zakaria, on dit c'est Zakaria. Maintenant, comment ça se fait que toi, tu vas marier la femme de Désiré Tagro? Il faut expliquer ça aux gens. Parce que c'est toi. Tu étais le conseiller de Guy Robert. Ils ont écarté Alassane Ouattara. Tu n'as rien dit. Peut-être c'est toi qui l'as conseillé. Et c'est toi qui disais qu'ils sont partis dans un pays, quoi, Afrique, quoi là même, là, dans un pays là-bas, pas Afrique de l'Ouest, hein, là-bas. Quoi, Adama Bitogo, là, il allait dire là-bas que Alassane Ouattara ne peut pas être président parce qu'il n'est pas ivoirien. Quand cela, il irait. Toi, Adama Bitogo, là, toi, tu peux être président. À Beauville, là, Burkinabé d'à Beauville. Je me disais. Il est ma vogo. Il y a une fille qui s'est présentée à Beauville, là, pour être députée. Il m'a gagné. Il a gagné KKB.
D'après Guillaume Soro, Soro dit, comme M. Ouattara, le banquier, il allait chercher Kakabé, venu le gagner. Ah, je comprends pourquoi Alassane Ouattara dit qu'on condamné à mort, que Guillaume Soro n'a qu'à le condamner. Bah, de la manière il parle là, ça fait trop mal. Il dit un banquier. Quelqu'un qui avait Manhattan. Il ne parle pas mal, mais il dit la vérité. Hein? Qu'un banquier de son état, il s'en cherchait Kakabé pour venir le gagner. Vous savez, dans le quartier, là, à l'époque, tous ceux qui ont joué dame là, Désiré, merci beaucoup. Tous ceux qui jouaient dame là, moi, je n'étais pas trop fort en dame. Mais je vais me cuner aussi. Moi, je cherchais, quand les pros là, c'est-à-dire ceux qui savent jouer dame là, quand ils quittent là, je vais chercher mes bras là, venant jouer, tiens, moi, blaran là, tiens. Souvent même là, tiens. Souvent, il n'y a pas trop même, mais je prends quand même, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je ramasse tous les pions. 1, il ne me moyen pas. Et puis, de 2, il ne sait pas jouer. Donc, on va gagner. Et puis, je suis content, je dis, gagner. Non, c'est ce gars là, ça va être fait là. Il est avec Guillaume sur le Dico à la Saint-Montra, allez chercher quelqu'un avec pour venir. Pour le banquier, Kakabé. Même moi, en face de Kakabé, dans son village même, il y a un gars. Et puis Kakabé là, il est croyant. Hein. J'ai déjà parlé, moi j'ai déjà. Kakabé, il est Fofana. Sur le jour, je tombe sur le Facebook de son grand frère encore là. Parce que moi, ils m'ont dit. Ou bien c'est le grand frère même qui est rentré en contact avec moi. Nako Yeke. Même visage. Il s'appelle Enza Fofana. Kakabé là, il n'est pas bavoué. Hein. Agne Kakabé Menata. C'est un petit Koyara. Koyara le Kakabé. Imbécile là. Kakabé c'est un Koyara. Il n'est pas bavoué. Hein. Kakabé Koyara le. Yaluko le don. Yaluko Amba, Tomba, Noa Diago. Kakabé, il n'est pas bavoué. Hein. Peut-être sa maman est baoulée ou bien baoulette. On ne sait jamais. Ça, elle est baoulée ou baoulette. Mais son papa, là, à peu près, est quoi, il est. Kakabé, c'est un Fofana. Non, un tronga, il est bois là. Sérieux, Kakabé, il est quoi. Voilà. Kakabé, là, il y a Matroma Fofana qui dit. Donc, c'est vrai. Kakabé, là, quoi, il est Kakabé. Mais tiens, nous, bonhomme, nous. Tiens non, Kakabé même là, tu peux le mettre dans la poubelle ça là, puis t'as fermé qui se gagne. Kakabé, t'es où? Et puis il parle mal, avec ta bouche rouge là. Tiens, j'ai mis la vidéo là. Qui est 1h08. Bon, je vais vous laisser. Ah. Je sais qu'il y a des gens qui sont fâchés, mais moi je suis content. C'est ça le plus important pour moi. Mes fâchés là, c'est un problème. RHDP, c'est-à-dire tout le monde contre Gbagbo. Bon, en 2025 là, tout le monde contre Ouattara. Bon, lui il va gagner comment? Non, si c'est Wale Bilay, on est dans la tienne. J'ai causé avec son grand frère même, Kakabé Koyara. On est dans l'Aubatranyangé, il est Koyara. Et puis il ressent, bon, je vais demander à ma grande soeur ici, Matroma Fofana, pardon. Si tu as le truc, si tu as le Facebook de son frère là, envoie-moi. J'ai échangé avec lui, il est aux États-Unis. C'est quelqu'un qui m'a dit, et puis maintenant il m'a envoyé son Facebook. J'ai fouillé même. Mais lui, c'est Kakabé en grand quoi. Voilà, allez Kabou, à Kadjan. Mais ni Kaye, hein. Non, tu t'as dit, hey, Kakabé a pris qu'un produit, et puis il a grossi comme ça. Kakabé, quoi il allait Kakabé. Mais jamais il va dire. Qui le Koyara. Donc 2025, RHDP, mais RHDP, quand on a connu, il y avait tout le monde dedans. Parce que nous, on a Guillaume, on a Babou, on a Bédier.
De la manière Mabri avait quitté là, il va quitter encore parce que lui, il suit son ventre. Lui, son GPS là, c'est son ventre. On a Guillaume, on a Bédier, on a Gbagbo, on a Mabri, même Amontano va venir. Tous ceux-là vont venir parce qu'il n'y a pas un Ivoirien qui vit à l'aise aujourd'hui. Et puis dans l'armée de Côte d'Ivoire même là, c'est qu'on nous dit aujourd'hui même là, que Ouattara allait chercher des gars de Côte Toubab. Youtoubab, ça c'est en arabe ça, Toubab. Ya Toubab. On dit les deux. Donc il a montré à ces forces spéciales là qu'il ne les fait plus confiance. Donc dans la vie, tout ce qu'on fait là, il faut calculer. Si tu ne calcules pas là, tu sors toujours zéro. Même ni fait chez moi, ni m'a calculé, tu sors un jour, tu vas te retrouver comme ça, zéro. Donc on va former le Gboyin. Gbagbo n'est pas condamné. Hein. Voilà. Voilà. Maninda Fofana aussi, voilà. Elle me dit que Kakabe, c'est Koyaga. Voilà. Bonjour, Django Keita. C'est Musa. Le Kakabe Koyaga, il est métier, nous. Ouais, il y a trois goudrons de là en solade. Lui, il est là, il se promène pour violer les femmes des gens. Regardez. Il est mambo, il se connaît mambo. Mais c'est. Eh, quand tu es toi, tu es ministre, mais tu violes quand même. Ah oui, ah, c'est normal. Si le président il viole la constitution, alors qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Je vais violer aussi à ma manière. Donc, regardez, lui, il viole ensemble déjà. Et j'ai audio de ça, hein. Audio de ça là. Où les en haut, même là, parlent de ça là. Eux-mêmes, ils reconnaissent, mais voilà, on va pas, sinon. A Odio Benebro, mais nous sommes dans la bolée. Rendez-vous à quel heure? Viens me chercher au mot. Isawari, viens me chercher, sinon le VP va dire que c'est son anniversaire, que je ne suis pas parti. Mon général, viens me chercher, quoi rendez-vous à 15h, tu es malade. Toi, mais général, là, ni miremle, mais maintenant, un cindre, il y aura d'organe, qui est mi clic. Da vrai. Ah, tu es malade. Tu es sous les nids qui me l'ont mis cliqué. Eh, politique de Côte d'Ivoire. Dieu merci, il y a politique en Côte d'Ivoire. Mais voilà, ça n'est pas moi là. Vous voyez, on allait commencer à faire des communications, dit voilà, on allait présenter les jeunes. Mais comme Ouattara dit, c'est lui qui dit aux enfants là, allez-y, les dire. Ok, il n'y a pas de droit au mot, merci beaucoup. Allez-y, les dire. Si Gbagbo est candidat, bon, comment? Écoutez bien ce que je vais dire là, après il est coupé. Si Gbagbo n'allait pas être candidat, c'est pourquoi j'ai dit au pro Gbagbo de se préparer. Hein? Ah oui, parce que Gbagbo il est candidat, il n'y a pas une loi qui peut interdire Gbagbo de se présenter. Ah maintenant, si Gbagbo. Pourquoi? Parce que quand tu. En tout cas, pour moi, quand quelqu'un vient avec couteau ici, il sait que j'ai mon anti-balle sur moi là. Je n'ai même pas à avoir peur, il n'a qu'à tirer pas. Il sait que ça ne va pas rentrer. Mais, Damana Picasso vient dire que Gbagbo est le candidat naturel. C'est-à-dire, il est le candidat. Quelques jours après, on voit les pro-Ouattara la sortie. Ah non, on va appeler notre papa. Ah non, il ne peut pas se présenter. Mais c'est qu'il n'y a pas de justice. Alors, comme il n'y a pas de justice là, Gbagbo n'est pas condamné. Donc ça veut dire que c'est Alassane Ouattara là. Ah, il n'est pas baoulé, il est Kokoyakale ale et puis ta kakabe ta kala ege la moula 1 3 a 3 kula le na ka moula e fofra ya ne kafrike o ken sa cause de côtelette de porc là ou bien cocotte de porc là a wi bashamayama donc kakabe cocotte tu sois dit ken dalé c'est pourquoi ses lèvres là sont toujours rouges là non au moins tu vois c'est igo ege mon général igo ino Alassane Dramane atma voilà soronye ne il faut aller faire ça là. Bon, à rassurer remplaçant, mais en vaut rien, quoi, à Golou les seront.
on va prendre papa. On va prendre. Sinon, nous, on irait là-bas, là, quoi, Babo Tese qui préparait, qu'ils n'allaient même pas calculer même la sortie de Ayala même là. Ils n'allaient pas, calculer. Mais si tu vois, eux, ils sortent pour répliquer là. Ah, si le papa des autres se présente. Donc, non, on ne va pas rentrer ça avec vous. Babo là, personne ne peut dire aujourd'hui non qu'il a fait deux mandats. Même s'il a fait deux mandats là. Si Ouattara est dans son troisième mandat là, c'est que Babo peut se présenter. Si Ouattara a violé la constitution là, c'est que Babo aussi là, il pourra violer aussi. Et puis il va accompagner. Nous, on y a un candidat à aller bi. Un candidat à aller si. Un candidat à aller singena. Un candidat à aller lomé. Et puis on aime Babo. Pien lobby. Sans oublier le vieux père Zouba. Et puis ce qui va rendre la chose même intéressante. C'est-à-dire que les deux vieux mots là sont calés. Et puis Guillaume sera en maillot devant. Hé, tiassé, ma vieille, c'est gâté. Bah, il n'y a pas de garçon chez vous. A qui ta fille? Sera non ta fille? Alors, sera va de vieux père. Non, calmons. Calm down. Ça, c'est en anglais. Calm down. Ah, Soro a comment de voir. Cela, il ne peut pas pardonner Soro. C'est pourquoi j'ai dit, on va faire entre nous les Ivoiriens. Vous n'avez qu'à rester. Quand il y a Camara, la Sam Ouattara, son petit frère, les étrangers, là. Là, dans le Bidogo, là, nous, on va rester en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a dit ici en France en 2020 que quand il voit la Sam Ouattara, il dit ouais, qu'il va me bédier en prison. Il connaît le vieux. Il dit lui, péré comme ça, là. Il peut me bédier en prison. Et c'est lui, il peut me bédier en prison. Et puis, c'est vrai. Bédé là, c'est son petit frère qui est Babo. Tu n'as pas pu, mais Babo est condamné. Il m'a dit qu'il arrive la case là. Et c'est. Mon général, qui est même banat, parce que je n'aime pas la langue française, je voulais voir. Soudain, je suis allé là. Younous, comment tu vas? Guillaume Soro a dit ça ici. Quand je le vois là, il dit ouais, après il va me bédé en prison. Qu'on lui pire comme ça la nuit. Et puis c'est vrai. Dans l'histoire de Babo là, Babo, malgré la présence des microbes à Abidjan, là, il n'a pas peur, il marche. C'est ça, on dit le Woody. Ah, quel loquet. Ah, Babo Laurent, quel il est. Parle de Sangana. Ah non, le Woody. Il marche, il est tranquille, et puis il fait caca même, et puis il n'y a pas de garçon. Bon, citez-moi le nom de. De. Yeah. D'un gentleman, c'est-à-dire. Gentleman de clôture, à toi de poignet. Écrivez son nom. Bédier Mabori Longré, Babo Mabori Longré. Mais moi, je suis en train de me dire que quand je le vois, il dit oui, on va mettre Bédier en prison. Est-ce que lui que moi je connais là, il peut. Le dire, on va faire, bon, à partir d'aujourd'hui là, si vous voulez appeler Soro là, à quand la voiture de Guillaume Soro là. Ah, vous catalogue d'ado. C'est ça, il le connaît. On connaît, on n'était pas à l'hôtel du Golfe, mais on est au courant de beaucoup de choses. Alors, tu es là quand il est Guillaume se réveille. Il y a une bédier. Donc, je vais vous laisser. Il y a un Wardi, un Mekmana, un Fortune 10, un ladron. Vous pensez que moi, je suis bête, quoi. Moi, j'ai parlé comme ça, là, et puis après, moi, il y a un problème. Moi, je suis intelligent, moi. J'ai dit des trucs qui ne me condamnent pas. Un an, quoi, non, tiens, dix. Un mot, on est là, dans le coup, il est dix. Bon, ah, voilà. Younous, il était tôt. Il disait, quoi, c'est à la salle qui a pris clôture. Mais moi, je suis mon bourreau. Donc, quand Guillaume Soro nous dit que Alassane ne peut pas mettre Bédier en prison, là, c'est vrai. Il allait Barbara Babo et Bédier, il allait faire blocus. Et puis je vais vous dire, dans l'entourage d'Alassane, il n'y a personne qui est influent. Comme Guillaume, père à son âme, comme Ahmed Bakayoko. Amorote et Tourni. Tout ce que nous on voit là, on les voit en Barabé. Ah, Barabé, là, c'est Ribé. Bouillie. Kanono, Kaké, Kabouna, Rougi, Kalaké. Quatre ans à Mina, sur plap, 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 plap. Hey, Dieu merci, j'aime Soro. Parce que, vous savez, moi, j'ai jamais aimé, en tout cas, j'ai jamais été fan de Didier Drogba. Comme Cristiano Ronaldo, là, j'ai jamais été fan de lui. Donc, à chaque fois, quand on les croisait comme ça, là,
Même si ce n'est pas mon équipe même là, j'ai vécu une Noka gagner les Drogba là. Ah, mais ce phrase que je prenais la tête de Drogba, tu maquais et puis les gars gagnaient. Donc, j'imagine la douleur des bétails ou bien des moutailles, parce que bétail là, ça c'est les bœufs, les moutailles, c'est-à-dire, j'imagine la douleur des moutailles, les moutons là. On a la peau, je ne sais pas. Quand tous les voyants sont ouverts, quand Dieu va venir à Abidjan, comme il a rabattu, on va les rabattre tout de suite là. C'est Albi, à son âme, il est venu. Même nous, dans l'âme, les mêmes. Même vers Folat, même si c'était à pied, ça, c'est là à Abidjan. Non, j'imagine la douleur des moutailles. T'as dit les moutons là, là. J'imagine la douleur, ils n'aiment pas ce rôle, mais quand on traduit, ils vont l'attraper. Attends, ça. On a déjà vécu ça en Côte d'Ivoire un moment. Salut. Guillaume Soro était le chef rebelle d'Alassane Ouattara. Il était le premier ministre de Gbagbo Laurent. Il habitait à Abidjan. Il a passé ses 5 ans Abidjan, sans être inquiété un jour par Gbagbo Laurent. Donc ça veut dire que même si Gbagbo il est président là, nous on peut habiter à Abidjan et puis il n'y a rien. On va même avoir cortège comme la Adama Bitogo et Sego là. Bah, il paraît que la go d'Adama Bitogo, cortège, je rigole, quand on a des niais à Léon, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est faux. Voilà. Parce que Aloubé là, la fin belle est là. Donc voilà pourquoi moi j'ai dit 2025 là, en tout cas Ouattara n'a pas gagné. Tu as gagné en 2010. Mais 2025 là, tu n'as pas gagné. Et puis si tu parles trop là, on va t'envoyer à la haie. Bah, à cause de toi là, la France est en train de perdre. Ces colonies là, c'est comme ça on dit non. Les pays qu'ils ont colonisé là, la France est en train de tout perdre. Tu es venu avec affaire d'éco là. Oui, en 2021, hein, on va mettre l'éco en marche. Tu as dit ça à Macron, à Tebola, qu'on a petit là. Et puis Alassane pense que lui il est plus âgé que Macron. Elle t'a mis sa femme. C'est-à-dire, Macron il voit Alassane Ouattara comme son petit. Ben, c'est que Macron a vu là, Alassane n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu. Non, on ne peut pas jouer avec Macron. Hein. Peut-être que tu le vois petit, mais c'est un vieux qui est là. Un poil où il est le gros. Lui il roule un poil où. Personne n'est bon, un poil où il est. Non, tu ne peux pas effrayer Macron. Non, 2025 là. Attends, j'ai dit à Ahmed de venir me chercher. Et j'ai un autre rendez-vous. Il faut que j'arrive tôt aujourd'hui à la maison. Est-ce que vous avez aimé la vidéo? J'ai bien parlé, non? Ça va? Bon, écrivez en commentaire, vraiment, on a vraiment apprécié ta vidéo. Tiens, 10. Tu es vraiment négatif. C'est ça que je veux voir d'abord avant de couper la vidéo là. Écrivez. Non, tu es vraiment un 10. Et tu es vraiment négatif. Non, la vérité, quand on te regarde là, non, on veut te faire bisous. Écrivez ta vie, coupé. J'attends. Vous voyez Cory là, non? J'ai payé à 1 euro. D'où qu'on est, comment tu vas? Mais les gens, ils vont voir ça en gris-gris. Moi, mon gris-gris là, ça est dans mon sang. Ça est dans mon sang. Alain Soutra, les Akana Voko et Judis. Écrivez Dormado Alain Soutra. Merci d'où qu'on est. Mais ça là, il y a une manière de faire là. Il y a travaillé ça pendant 7 jours. Ce que je mets sur ma tête là, ça c'est déjà bon. Et ça là maintenant, il y a fait ça là. Tu viens m'insulter net là, ton anus là est bouché à même état. Mais tu as une carte du coffre qui voilà, toi. Il y a une maman qui vient d'Abidjan, elle m'a envoyé médicaments de coco pour vendre, pour faire publicité, pour montrer aux gens. Tous ceux qui ont coco ici en France. Merci beaucoup. Ba nous
Diabaté. Coco, tous ceux qui ont problème de vue, tout ça là, il y a des gens qui voient flou là, comme s'ils ont pris coup de poing là. C'est Coco qui fait ça. Coco ben minounan. Ton derrière, il est gâté. Et puis ton devant là, tu vois pas bien. Tu es toujours constipé. En tout cas, je n'ai pas encore le médicament sur la main ici. Flan, avenanana. On m'a pris l'omba. Voilà. Aïna, maintenant, ceux qui ont derrière gâté là, je vais arranger ça. Que ceux qui ont l'air derrière, on dirait les lèvres de. Les lèvres des Asso Patrick là. Ouais, ils ont bouffé mon argent. Soudanais, c'est ça, non, Soudais. Il y a un de qui a mon connaît, non, au Venata. Et puis là, et aujourd'hui, là, il était en train de regarder mon album, il suis allé tomber. Au Canada, je suis perdu en Côte d'Ivoire. Tiens, Fla, man, il est, ah bon, c'est pas tous les Fla. Les pelles qui surveillent les pelles, là, ils sont pas bien, hein. Le gars, il m'a toujours volé. Toujours, il m'a toujours volé. Hein, depuis 2013, hein. Flaquez, Abouina. Flaquez, Bourna. Non, tu dois venir dans ce qui est avant, quoi. Et puis, Kenam, il m'a bon. Il m'a bon. Non, il m'a eu, hein. Là, il y a des gens qui disent non, si tu étais au pays, non, il ne pouvait pas faire ça. Non. Quand quelque chose va t'arriver là, ça va t'arriver. Il n'y a pas de médicament. Ça dit, ce n'est pas moi celui qui l'a têté. Hein. Ça dit, moi, mes bœufs là, bah, il restait même dans l'affaire de bœufs là. Depuis 2013, souvent ça monte, 50 et quelques. Après, il m'appelle un jour, il me dit oui. Il a plu, ou bien on est parti là-bas, il y a serpent qui a fait ça, serpent, même si serpent a fait là, arrivé chez Dieu là, il allait demander serpent là, il dit au oh, Béla, quand j'ai mis mes Béla, c'était pour toi, pourquoi il t'a mis sur lui qui a fait. Donc, ou moi-même, j'ai douté de lui, un jour je l'ai appelé, on était en train de causer, il dit, là maintenant, il y a combien là, il me dit non, il y a 39, il dit 39, il dit oui. Il dit, mais je t'avais dit que ouais, il y avait eu des problèmes, tout ça là, d'offres là, tout ça. Il dit, ah d'accord, non, il y a 39. Il me dit, oui, il y a 39. Il dit, ok. Quelques temps après, même pas un mois, je l'ai appelé encore, on causait, et je lui ai demandé le nombre des bœufs là. Il m'a dit, il y a 31. Il dit, aïe. Il dit, 31 comment? Le jour là, tu m'as dit 39. Il dit, ah ouais. Il dit, bon, sini, ni sini, c'est là, mais on va en bas, salut, ça va? Il n'y a rien de dialogue. Ah d'accord. Donc, quand je lui ai dit, mais, il me dit 31. J'ai dit non, Olona, toi-même tu m'as dit. Et puis ces jours-là, quand on a fini de causer là, Dieu merci, j'ai écrit. Je lui ai écrit 39 et j'ai envoyé. J'ai dit, attends, hein, peut-être, parce que moi-même, je me suis dit non, peut-être qu'il me suis trompé, peut-être qu'il a raison. Donc, je rentre dans nos conversations, je vois il y a 39. Je lui dis, mais il lire ma voix. Il dit, ah ouais, bon, comme Choukola, demain je vais aller voir. Non, c'est trop facile. André, il a vu que je commence maintenant à m'intéresser à la chose. Non, on s'en met. Parce que c'est vrai, on a marché ensemble. Moi, c'est pourquoi j'ai dit, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un encore. Ce monsieur-là, Dieu seul sait ce que je l'ai apporté. Parce que c'est quelqu'un, il était prêt pour moi. Donc tout ce qu'il avait besoin là, je faisais pour lui. Tout. Ils ont dit, il n'y avait même pas, ça paye même là, il avait ça chaque fin du mois. Mais ce que, non. Bah, avec ça là, les gens nous voient, non, pourquoi tu n'es pas investi au pays? Imaginez-vous, si moi j'avais que ça à Abidjan et au pays là-bas. J'étais mort, même quand à toi là-bas. Tiens, nous, on l'appelle. On va voir, jusqu'à il a donné mon nom à son fils, Amiral Blendé.
Si j'arrive là, il y a des bords, il faut enlever mon nom du petit là. Parce que, faut pas, il va prendre le comportement de son père. On l'appelle, il répond pas. On va demander à sa femme tchafoule. Hein? N'taakola tourné. Hein? Il n'est plus avec moi. J'ai dit à mon petit frère, il dit, comportement ça là, ça dit qu'elle sait quelque chose, mais il faut laisser. Il faut laisser, on n'a qu'à laisser un toi là, mais c'est pas grave, un toi. Maintenant, André il a appelé sa femme après. Donc moi quand je l'appelle, son téléphone il sonne même pas. J'envoie voice. Bon, viens à Divo, comme tu dis tu es malade là. Reviens à Divo, tu vas attraper un bœuf là-bas, tu vas vendre et puis tu vas te soigner avec. Quand il me répond là, André. Flaken, quand il me répond là, hey, patron, maintenant, je connais ça. Des fois dans la vie là, faut pas faire confiance. Non, moi je fais plus confiance à quelqu'un. Regarde les enfants là, ils sont en train de tourner les clips. Bon allez, famille, à tout à l'heure.